parole à palais.com. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui brèche le signal. C'est à Campil plaisir nous entrer la caille pour nous porter pour Haïti aujourd'hui. Émission ça qui diffusée sur antenne Signal FM 90.5 en stéréo www.signalfmhaiti.com. Ah ben, c'est chaque jour, du lundi au vendredi. Chaque fois qu'il y a un jour de travail, puisque c'est pas congé, ah ben, nous apportons pour entre 2h et 4h. Émission ça, il y a une émission qui de commentaires et d'actualités politiques, sociales, économiques, avec l'autre encore. C'est mercredi, c'est 18 janvier, c'est troisième livraison qui la caillou. Timothée Jean Rock, dans manœuvre technique, au Tom du mon ami croix. Nous pral regarder comment ça y est, dans la République. Ah ben, gain en pile causé pour nous parler, pendant, et petit bout de temps, n'a bien pour nous passer ensemble, non? Ou même tout, en tant que citoyen, en tant que, et acteur, impliqué dans un certain sens. Ou bien tout, même mot pas ou pour dire, puisque gain possibilité pour même pour placer mot pas ou, à travers sa cap dit, puisque avenir pays a li concerné nous autant que lui-même li concerné autour. Qui ça qui gagne dans la République? Je cite ma et mon ami et Tamara et qui à un moment de la durée, c'est peut-être propos qu'une prêter à lui. Et souvent dans matin on demande qu'on apprend comment la République réveille, mais là n'est-ce pas ça? N'a pas rappelé où ces dossiers et ces rapports UCREF là, c'est lui qui kembe actualité. C'est lui qui kembe l'empan de l'actualité. Voilà pourquoi, en pile, les projecteurs, les mains sous parlement. S'il y a un moment de la durée, tout le monde t'a parlé de 7 février, est-ce qu'il y aura un 7 février ou bien est-ce que 7 février a passé comme ça doit passer, comme ça t'est doit passer ou bien comme ça doit passer? C'est à travers ce dossier, ben, Paris, pas inquiéto, puisque chaque week-end, chaque semaine, gagner un bagage nouveau dans la République. Bon, l'événement, il a défini le journalisme, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est provoqué, c'est ça qui arrivé, à ça qui vient arrivé, à ce l'événement. Mais en dans événement, hein, en dans événement, pas oublier nous d'oui, chaque fois brancher signal, autant que vous branchez Haïti aujourd'hui, au moins prends plus mon, et on a fait un petit rappel pour vous. Si vous avez des bagages qu'on pas de connaître, on a toujours apprendre yo. Si vous avez des bagages qu'on connaît déjà, on a toujours rafraîchi mémoire sous oublié yo. Et là, on garanti ça. Événement, c'est ça qui arrive, mais en dans événement, on joue une information. Qu'on y a, on peut demander, est-ce que l'information, ça, une information nouvelle? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce que l'information, ça, une information qui est intéressante ou bien intéressée? Est-ce que l'information, ça, elle est utile? Qui conséquence? Information ça gagne sous la société. Là, nous font un petit briefing pour un petit rappel, hein, en journalisme. Et, ben, même sous pas journalisme, mais ça, c'est fondamental pour qu'on ait pas oublié ou sous signal. Et, gagne dossier UCREF là, mais m'y en dézouli. Chaque semaine, gagne un bail tout neuf. Ou semaine passée a été Guy Philippe. Bien que dossier a toujours qu'un actualité à, on a pile, parle en pile, il parle de souveraineté, il parle de orgueil national, nous qui fêtait. Bon, procédure, question procédurale, c'est deux questions quand même qui toujours intéressent la République. De ce qui fait, là, pour qu'on finisse, mon lot qui paraît. Alors, c'est une sorte de révélation, puisque dossier ça, d'après ça, et coordonnateur, c'est plutôt le directeur général de l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Nous voulons parler de maître Sonel Jean-François, ancien commissaire au gouvernement de la République, qui jodi a porté de précision. N'a pas une possibilité pour nous tendre Sonel Jean-François, bien côté tendre tout à l'heure là dans Signal 13, édition de nouvelles ça qui passe à 1h sur antenne radio. Non, 1h de temps se passer là. Nous avons nous tendre plus de commissaires là, mais et fondamentalement, gain UCREF, c'est unité centrale de renseignement financier. Gagne également ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Chaque nayo c'est deux entités, mais qui dépendent du ministère de la justice et de la sécurité publique. Mais autre entité, nous cap cité CONAL, c'est Commission nationale de lutte contre la drogue. Trois entités, ça c'est trois entités. Chaque nayo gagne loi organique, chaque nayo gagne et yon législation qui baille une naissance. Pour ça qui vient avec UCREF, c'est loi 2001 qui bat naissance. Mais UCREF,
gagnent pour enseigner sous question le blanchiment des avoirs. Même Jean ULCC lui-même c'est lui occupé de volet corruption, mais l'ULCC c'est ça qui gagne à voir avec blanchiment des avoirs et c'est ça qui gagne avec crime financier dans un certain sens. Et on n'a pas les points comme Conal, même Jean non indiqué, c'est Commission nationale de lutte contre la drogue. Mais les trois entités subventionnées yo dépendent du ministère de la justice et de la sécurité publique. Rapport UCREF qui datait de 2016, donc il y a près de 2 mois, rapport ça n'a pas qu'à Port-au-Prince. Jodi a projecteur l'humain sous Sénat République là, puisque hier, 4 messieurs, 4 élus du faisant partie du grand corps, y aura les projecteurs sous Sénat. Concernant rapport ça, bien sûr, monsieur écrit en correspondance, il a adressé la bureau et bureau Sénat. Il a adressé la sénateur Youri Latortue, le président, l'actuel président du Sénat de la République. Et qui sa rapport l'a dit, et qui sa lettre ça a dit, pardon, n'a pas eu bah, rapide lecture correspondant ça, et qui a adressé à Sénat République là. Nous voulons parler de sénateur Youri Latortue, du moins président Sénat République là. Rapide, nous avons eu bah, lecture là. Port-au-Prince, le 16 janvier 2017. Honorable Youri Latortue, président du Sénat de l'Assemblée nationale, en ses bureaux. Alors, président du Sénat et de l'Assemblée nationale, en ses bureaux. Monsieur le Président, les sénateurs sous-signés vous présentent leurs compliments et, dans le souci de dissiper tout malentendu relatif au respect des principes de transparence de la gouvernance démocratique, de la lutte contre l'impunité, demande au bureau de l'Assemblée nationale de s'assurer que l'enquête concernant l'implication du candidat Jovenel Moïse dans le blanchiment des avoirs a été bouclée et que les saisines au niveau des instances judiciaires ont été accomplies. Il est impérieux de ce dossier, minutieusement étudié et livré par une instance responsable de la République, l'unité centrale de renseignement financier UCREF ait reçu le traitement approprié avant que soit enclenché tout processus visant à la prestation de serment d'un quelconque président élu. Ma propre un paragraphe ça pour nous. Il est impérieux que ce dossier minutieusement étudié et livré par une instance respectable de la République, l'unité centrale du renseignement financier, UCREF, ait reçu le traitement approprié avant que soit enclenché tout processus visant à la prestation de serment d'un quelconque président élu. Les sénateurs signataires vous prient d'agréer, honorable président, l'expression de leurs sentiments patriotiques. Sénateur Nenel Kassi, sénateur Évalière Beauplan, sénateur Antonio Cherami, sénateur Ricard Pierre. Ce sont là les 4 signatures apposées au bas de cette correspondance adressée à Youri Latortue, président du Sénat de la République. Nous sommes tous les... Le projecteur est allumé sur 4 sénateurs, sur le Sénat en particulier, puisque c'est un organe des 3 pouvoirs de l'État. 4 sénateurs, m'étais pris le soin hier, et m'étais refusé admettre, ou bien refusé dire que dans un moment, Évalière Beauplan, sénateur du département, alors élu du département de l'Ouest, du Nord-Ouest, pardon, dans un moment qu'il t'a intervenu hier, il t'a dit, bon, on ne peut pas qu'attendre nous bien,
Mais nous te posons des questions, nous te disons sénateurs, mais c'est quatre sénateurs de tendance lavalas, ou bien de tendance lavalasienne. Puisque si nous prenons petite Dessaline, si nous avons répété même ça me dit hier là, c'est un enfant prodigue, famille lavalas lié. Si vous voulez, vous avez démenti, mais c'est l'enfant prodigue de famille lavalas. Je parle de petite Dessaline, Éric Pierre, sénateur du Sud-Est, département qui dépend de sens là. Lycée, sénateur, qui est élu sous bannière Petite Dessaline. Bon, c'est pas question ça qui est intéressant. Mais fondamentalement, puisque c'est une question institutionnelle, mais l'MD dit, sénateur, quatre sénateurs attendent de cela, ça n'a pas de fait beau plan bien. Ça n'a pas de fait sénateur beau plan bien. Au point où, bon, communication coupée, il n'y a pas de quatre hommes qui étaient finis. Et l'aime tenter rejoindre relé encore sous téléphone Josué que le t'est passé sénateur a été disparaître. Donc sénateur Beauplan t'est disparaître. On pas venir encore. Je quatre sénateurs, c'est de quatre sénateurs m'abdic de tendance la valacienne. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, Evalier Beauplan c'est et membre famille la Valace. Et également Nenel Cassi. Également Antonio Jérémy, en dépit du fait que, bon, vous bannez, vous sous bannez unité, mais nous connaissons son mosaïque unité, de monde qui saute là-dedans, c'est de monde qui, dans un premier temps, est appartenu à l'autre structure politique. C'est pas de la valasse pure, mais c'est pour un problème, la valasse n'a pas posé, puisque là, moi, pas gagné qu'une chapelle. Deux fois, j'ai même commencé chauve, même qu'un petit cheveu dans la tête, moi, bien que gagné des nègres, tête, tu gagné cheveux, tête, tu calé, en dépit du fait que, ils comme ça, même pas qu'on quelconque chapelle politique. Là, je parle au nom de Tom Dumont, journaliste professionnel. M'dil, campé d'elle. Alors, on t'a parlé de dossier UKF là, côté Sénat République là. T'as dû gagner suivant à des correspondances ça pour faire suivi avant quelconque ça, c'est une table utilisée et même concept là, même notion hein, qui est utilisée dans correspondance ça avant que t'as une prestation de serment, plutôt me dire comme ça. Avant t'as une prestation de serment au niveau Sénat. Donc, même gain risque, si pas t'as gain suivi que fait pour 4 monsieur ça, t'as boycotté, ou du moins t'as boycotté, si m'te cap dit assemblée qui t'a doué organiser dans 4 prestations de serment, yon président, notamment Jovenel Moïse, puisque c'est lui le président élu, suivant les résultats définitifs du Conseil électoral provisoire. Et alors, publié par le Conseil provisoire dans le cadre des élections du 20 novembre 2016, c'est l'état de prêter serment le 7 février. Même le sénateur a dit, gagne possibilité pour taille un l'autre allié, puisque là, il a convoité l'autre monsieur qui t'a doué au même tour rejoindre, bon, car il est monsieur dame, dans la mesure où le Sénat de la République gagne la dernière femme jodi. Qui t'a doué au même fait allié avec de Mandjoa. Jodia, Sonel Jean-François, directeur général de l'UCREF, li sorti, li parlé. L'UCREF, c'est une entité qui créée à partir de la loi de 2011. Mais Sonel Jean-François a expliqué ou bien préciser que l'UCREF est saisi à partir de déclaration de soupçon d'une institution financière. Enquête Lyon-Meneyo, à partir de déclaration de soupçon d'une entité financière. Est-ce que l'UCREF t'a gagné un cas d'enquête Lyon-Meneyo pour adresser à la presse, ou bien pour le bail conférence de presse, ou bien pour le mettre dossier dans la rue? C'est l'interrogation. Est-ce que l'ULCC, l'unité centrale de lutte contre la corruption, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, est-ce que lui-même tout, l'Italien pour bail conférence, dit bon, mais quantité de dossier avancé, nous, cap bail chiffre ça. Mais par exemple, pour ça, qui avec contenu dossier, yo, est-ce que gon bagaille comme ça? Bon, justification
Sonel Jean-François, lui-même, lui a avancé. Je veux parler de l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, actuel directeur général de l'unité de lutte contre la, de l'unité centrale du renseignement financier UCREF, l'hypothèse de justificatif. Pour l'expliquer, bon, on va d'adouer, bah, c'est par rapport avec ensemble de tollé ou de bruit que ça a provoqué là, dossier UCREF ou bien qui concerne Jovenel Moïse, il dit c'est quatre dossiers le voyez dans le parquet, pardon, même quand quatre dossiers ça n'a pas cité tout le reste, mais fondamentalement, dossier qui la donne, qui vient, qui concerne Jovenel Moïse, lui c'est lui qui kembe actualité, du moins c'est lui qui provoque plus parler en pile. Commissaire au gouvernement, il bénéficie de prérogatives qui facilitent. Léon dossier vient joindre comme s'il a fait pas facile par un juge d'instruction. Et le juge d'instruction en question, il a une possibilité pour le classer sans suite, bien pour le mener en enquête, pour au moins le bas résultat de toute manière, faut qu'il conclue instruction par une décision, pas décision à proprement parler, et ordonnance. Hein? Non lieu ou de toute manière faut qu'il conclue et faut qu'il conclue enquête l'IA. Bon, instruction disons mieux. Ça qui arrive que il classe sans suite suivant que ordonnance et ordonnance de non lieu. Et mais fondamentalement faut ordonnance ta sorti. Ça qui arrive par fantaisie n'a décidé le faire 5 ans. Ça qui arrive, il continue à instruire pendant une période de temps, mais il y a une période d'après ça, d'après les documents, pour lui conclure. 120 jours, n'est-ce pas? Et doyen Timothée Jean-Roch, il faut qu'il baille rapport, il faut qu'il quand même sorte l'ordonnance. Mais pour votre édification, le juge d'instruction, Brédi Fabien, gagné dossier, ou du moins, li nan paquet, dossier nan paquet depuis tantôt 2 mois. Jodia, le citoyen Jovenel Moïse est élu président de la République. Suivant les résultats définitifs des élections de 2000, du 20 novembre 2016, publiées par le Conseil électoral provisoire. Pour qui ça dossier ça provoque toute salive ça, yo? Pour ça, dossier a provoqué toute palampile, ça. C'est ça qu'oblige UKF mettre tête l'idée, oui. Yo dit, yo saisi par dénonciation. Alors, ça, c'est UNIT, ça, c'est ULCC. Quand arrivé, c'est dénoncé, dénoncé, ça, il m'a parlé de ULCC. UKF, c'est déclaration de soupçon. Faite par une institution financière. Maintenant, UKF n'a parlé de comité qui constituait l'un. D'après Sonel Jean-François. C'est Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs qui vient de nous jouer, CNLBA. Il y a là-dedans l'autre institution, tant que la Banque des banques, la BRH, Banque de la République d'Haïti, la PB, l'Association professionnelle des banques. Il y a également la Police nationale d'Haïti, la PNH, le MJSP, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, les assurances, entre autres. Yo fait partie du comité ça qui nan UCREF, c'est comme si nous t'étais capable de on entre guillemets yon conseil d'administration. Est-ce que UCREF t'est obligé by conférence pour la presse? Est-ce qu'il t'est obligé by conférence pour la presse? On pose la question. Soit avancer ou enquêter sous un dossier, sous un sujet. Et c'est ça, oui. Nous avons parlé de renforcement institutionnel. Nous avons parlé de la nécessité pour nous renforcer l'institution. Mais il faut qu'Haïtien, aujourd'hui, Haïtien 2017, il faut avoir confiance dans l'institution, dans l'État. Ça veut dire institution pays, non? Le par exemple, c'est la justice qui prend décision.
faut au moins la République admette que la République, que la justice a décidé, que la décision est prise et que Saksotia nous a fait confiance avec elle. Si gagné de institution dans le pays, qui donc, pour ne pas mettre dans l'esprit, bon, un tel bras fait un abus, ou bien un tel bras craser nous, minimum, ça, confiance là, il faut que son bagage qui garantit. Confiance dans l'institution, il faut que son bagage qui garantit. Et cette faiblesse institutionnelle là qui la cause, toujours gain de soupçons, de monde quand même qui ont tiré réserve par rapport à une décision qui sortit dans l'État notamment. Parquet Port-au-Prince, tribunal yo, songez René Préval là en 2007, en mai, 18 mai 2007, René Préval qui t'a parlé de corruption lors de la célébration de la fête du drapeau. Songez à dans la coupe à l'air, vous te mettez ton stand, et puis vous ne pouvez pas le capter, mais corruption dans le palais, corruption dans la douane, corruption dans l'État, corruption dans le DGI, entre autres, corruption de tous côtés. C'est dur quand c'est le chef de l'État, le premier citoyen de la nation, qui a dénoncé la corruption, et il n'a pas hésité pour le même dans le palais côté Mia, il y a corruption. Alors, ULCC est occupé de corruption. UKREF occupé de questions crimes financiers, lui occupé de questions blanchiment des avoirs. Mais c'est pas la nouillée. Débat, c'est la confiance dans les institutions haïtiennes. C'est la confiance. C'est la confiance. Et c'est problème ça qui oblige mettre Sonel Jean-François Duyo, Jodia, qui fait l'obliger parler. Il a été provoqué. C'est comme si nous avons dit, le directeur général de l'UKREF a été amené par devant le tribunal pour venir rendre compte. Son problème institutionnel, son problème confiance, ses faiblesses institution, son problème confiance la caille, l'homme haïtien. Pour qu'il s'agisse dans ton léger côté le siège là, dans pas qu'à Port-au-Prince. J'entends dans le régime, t'as décidé pour une décision suivant. Alors, guidé par la loi, t'as pris une décision, t'as condamné, non pas qu'on est un citoyen, ou bien t'as voué devant le tribunal de première instance, et que t'as pris une décision, vous mettez un citoyen en prison, et puis, par la suite, nous allons dire, bon, son cause politique, son raison politique qui est obligée au condamner un citoyen. Et c'est là, nous pointer à de doutes. Nous provoquer doute la caillon série de monde ou bien ensemble de monde qui fait le par exemple un juge pour une décision n'a dit est-ce que ça son juge là voilà c'est ça son juge tête calée est-ce que ça son juge nous pas connait mais de toute manière ça c'est de bagaille quand même nous estimer qui doit corriger on j'ai fort en plus qui doit faire puisque si n'a pas les pays pour ne pas gérer le même gens nous gérer famille nous j'ai gérer femme sous côté j'ai gérer madame la caillon avec mari nous puisque là nous voulons parler avec un minimum d'équilibre Timothée mais plus ou moins fondamentalement, question confiance là, Banzeli sont nécessité pour établir la caïnon. Si n'a pas les deux états de droit, leur décision sortie pour que nous parlions parce que l'autre là a été un problème politique ensemble avec nous. Soit pendant que nous avons mené une campagne, il était tiré sous nous et que l'enfin nous venger, l'enfin monter dans l'état, nous avons nécessité pour nous venger. Le directeur général de l'UKREF eut à dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le rapport de l'UKREF. Le rapport soumis au parquet ne contient pas d'erreur. C'est ça, Sonel Jean-François dit. Donc, il y a une possibilité pour nous entendre. Après, pose là. Bonne possibilité, oui, puisque il y a quelqu'un pour aller, pour parler, tout ça. Mais nous proposons une conférence, ça, ensemble de questions posées, signal était présent. Il y a un autre journaliste qui pose des questions. Et moi-même, c'est le premier monde qui compte nécessité pour ne pas faire mon abus dans le cadre de ceci-là. Et si la République doit souffrir à cause de ce dossier et que ça doit être fait suivant la loi, suivant les procédures.
paulapalais.com. Chers auditeurs et auditrices, parce que nous étions connectés, alors parallèlement, Timothée n'a pas annoncé et Mounio, on a rappelé que et Camille Junior Edouard et ensemble avec Michel-Ange Gédéon, ils ont dû répondre à la question sénatoriale et a planifié la question carnaval, sécurité carnaval, ensemble avec le dossier Guy Philippe. Une façon Guy Philippe t'est arrêté, dossier ça, normalement, Camille Junior Edouard qui était dû répondre avec Chambre députée hier, Commission Justice et Sécurité et Chambre députée. Mais là, je dis à ce Sénat qui invite elle, il n'y a pas de Chambre députée, mais je dis à ce Sénat qui invite elle. Nous t'ai proposé Mounio, n'a seulement demandé une bonne compréhension, puisque là, pas gain vous remonter, n'a pas le soin pour tendre intégralement conférence à directeur général UCREF, là, Sonel Jean-François Libay, sous dossier. Nous t'ai posé une question, oui, est-ce que UCREF t'est doué gain conférence de presse? Nous t'ai parlé de renforcement institution, respect, confiance dans l'État. On va une possibilité pour suivre Timothée Jean-Roch. Généralement, il n'est pas entré dans l'habitude direction générale du CREF pour le prononcer de façon spécifique son dossier bien déterminé. Mais vu tollé qui fait autour d'un dossier que le CREF voyait par la justice, et pour sauvegarder l'intégrité personnel, ça y est, qui joue le rôle de directeur général, adjoint, si sur ça, et pour respect sur ça, qui aussi sur qui très respectueuse, nous estimons nécessaire pour nous bailler, point de presse ça. En fait, UCREF, qui ça exactement, UCREF, c'est une entité que loi 2001 en Vinavel, l'instituelle, et il est là pour recevoir, traiter, analyser déclarations de soupçons, déclarations de provenance de fonds qui sortent dans l'institution financière et après analyse, fait rapport, voyez by la justice. Et pour garantir autonomie, indépendance, unité, ça, législateur 2001, déjà nécessaire pour li bail directeur général du CREF là, directeur général adjoint du CREF là, un mandat de 3 ans. Et pour garantir autonomie, ainsi que ça tout, les acteurs ont estimé que directeur général là, directeur général adjoint, pas qu'à nommer par un simple arrêté du président de la République, pris en conseil des ministres, mais il était estimé nécessaire pour lui placer dans la tête d'une entité. Comité national lutte contre blanchiment des avoirs, CNLBA, c'est entité ça qui est placée pour faire recommandation par exécutif là de non-monde qui doit nommer comme directeur général et directeur général adjoint UCREF. Et entité ça, la fois de NNTD, ça, l'Igué la donne, l'Igué monde qui représente la donne, c'est-à-dire institution qui représente la donne, BRH, Association professionnelle des banques, la police représente la donne, Michel Lajus représente la donne, coopérative représente la donne, assurance représente. Donc, ce sont bonnes institutions qui représentent, qui forment ça nous le comité national lutte contre le blanchiment des avoirs. Et ce comité ça qui doit faire recommandation par exécutif là, après une analyse des dossiers qui doit déposer, après une analyse des dossiers, recevoir un cadre d'entrevue. Après ça, yo choisi 3 noms pour chaque poste, 3 noms pour poste directeur général et 3 noms pour poste directeur général adjoint. Voyez au exécutif là, pour exécutif là, choisir lui-même un nom là-dedans pour nommer comme directeur général et un nom pour nommer comme directeur général adjoint. Donc c'est juste pour garantir autonomie UCREF, c'est juste pour garantir l'indépendance. C'est juste pour nous consacrer UCREF, ça, que son agent reçoit gagné, privilège pour le diriger. UCREF, ça pas à la solde de personne. UCREF, pas marré dans pied à personne. UCREF, ça a que moi, son agent reçoit diriger, son UCREF qui est indépendant, qui est autonome. Et comment UCREF fait enquête, lui? UCREF, lui-même, lui pas qu'à inventer information. UCREF fait enquête, lui comment? Nous ne pouvons pas créer ça pour m'ouvrir une enquête sur un monde bien déterminé. UCREF ouvre une enquête, c'est à partir de une déclaration de soupçon. Une institution financière vous y Bali. Institution financière, qui ça crée une déclaration de soupçon hein? C'est là où un citoyen a fait une transaction dans une institution financière, par exemple la banque. Et institution financière a estimé que la transaction est suspecte.
Li fait un papier, il voyait papier ça, ba Ukraine pour Ukraine lui-même fait une enquête financière et après enquête Ukraine là. Bien entendu qui pas un jugement. Il n'a pas répété Ukraine son entité administrative liée, rapport Ukraine c'est rapport administratif que li voyait ba la justice lui-même. La justice qui est pour devoir pour faire enquête pour approfondir travail que Ukraine le fait pour lui-même pour capable de prendre décision soit je nécessaire pour la pour absoudre mounan la guerre si mounan est en prison soit je nécessaire pour lui condamner mounan en vertu de éléments que Ukraine gagne en main. La justice lui-même gagne des pouvoirs qui sont très étendus, pouvoirs que UKF n'a pas gagné. UKF l'a lui-même pour recevoir information seulement de entités financières. Pour l'estimer, si il y a des indices de blanchiment, pour voyer rapport par la justice. Et la justice lui-même peut aller plus loin lui-même. Est-ce que indice ça est concordant? Est-ce que ça est grave de nature à saisir tribunal criminel? Donc c'est la justice qui fait travailler ça. La justice lui-même gagne des pouvoirs étendus pour aller dans la banque, pour aller dans l'institution financière, pour aller vérifier sa Ukraine Bali comme information. Donc pour lui-même, pour lui dire, est-ce que Mounsa a lieu pour me condamner Mounsa, est-ce que Mounsa a lieu pour me dire Mounsa n'est pas coupable. Voilà. Donc, ça qui arrive, là nous entrons dans l'Ukraine en avril 2016. Nous venons de un dossier. Généralement, le directeur général entré, faut demander un directeur, il y a trois directions. Dans l'Ukraine, direction administrative, direction opération et direction investigation. Nous qui faut faire enquête, c'est direction investigation. Et le moins entré dans l'Ukraine, direction investigation, hein, font rapport bon moins de nombre de dossiers qui en cours, de nombre de rapports qui en préparation. Et dans liste rapport qui en préparation, il y a un rapport un citoyen qui est le Jovenel Moïse. C'est en 2013. Confirmé samedi, on va lire une pièce pour nous là. Pour faire connaître que son dossier qui commençait en 2013, à partir d'une déclaration de soupçon, directeur inactivité là, avant en 2013 là, te recevoir de une banque et lui ouvrir une enquête en 2013. Et on va le prouver ça à partir d'une pièce que on va lire pour nous là. Ok, 22 mars 2013. Quand on presse le 22 mars 2013, monsieur Jaoustik Ekul, directeur général, unité centrale de renseignement financier, en ses bureaux. Monsieur le directeur général, la direction générale des impôts accuse réception de votre correspondance citée en référence, par laquelle vous lui avez sollicité des renseignements concernant un tel, et Jovenel Moïse de NIF 001-497-136-1. Et c'est deux mounes, t'es qui France, Étienne Denis, etc. Jovenel Moïse, Yobay, Nif, tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en 22 mars 2013, la direction générale, et pour qu'il te voie une réponse, bah, directeur général qui était là, dans l'Ukraine en 2013, là, il te voie une réponse, bah, il contient une demande que directeur général, là, qui fait. Donc, c'est, mes amis, en 2013. Nous allons lire une autre correspondance pour nous. Le 7 octobre 2013, monsieur Jean-Oustique Hercule, directeur général, unité centrale de renseignement financier, route de Frères, numéro 107, Port-au-Prince, Haïti. Monsieur le directeur, en référence à votre lettre datée du 24 septembre 2013, nous vous faisons parvenir sous ce couvert les informations relatives au compte 50-52-66 et 50-52-67 de Jovenel Moïse. Ça, c'est une lettre qui datait de 7 octobre 2013. Et maintenant, rappelez-nous que Sonel Jean-François, nommé directeur général UKREF, en avril 2016, 3 ans après, c'est-à-dire son dossier, que Sonel Jean-François, directeur général UKREF, est venu loin dans UKREF, rapporté en cours et acte que le directeur général a posé lui-même dans le cadre de dossier, ça, c'est de transmettre le rapport by commissaire gouvernement en 2016. C'est-à-dire, ce n'est pas nous-mêmes qui avons voté le rapport, hein? Ce n'est pas nous-mêmes qui fait commencer l'enquête là, c'est nous-mêmes, vu qu'en vertu de principes suivis dans l'action institution, nous-mêmes qui avons directeur général en 2016, c'est un devoir pour nous transmettre le rapport ça, qui était
commencé enquête a commencé en 2013 pour nous transmettre rapport ça en 2016 by la justice. Gagnons le parole qui parlait sous question compte. Mes amis, nous voulons clair avec tout le monde. Nous voulons clair à tout le monde que UCREF lui-même il travaille en vertu de documents de recevoir de institutions financières. UCREF recevoir yon papier, ça nous relève au document ouverture de compte. Mes amis, mais dollars, nous avons tout pour nous ça clair. Dollars. Et où est le numéro de compte là? Où est le numéro de compte là? Nous vérifions le numéro de compte là. Le numéro de compte, il n'y a pas les deux liens. C'est le numéro de compte là. Nous avons nous. Et mes amis, ou après qui s'est coché, c'est dollars qui coché. Dollars qui coché. Voilà, dollars qui coché là. Et nous avons nous un numéro de compte là tout. Quand tu as parlé de l'IA, UCREF, c'est lui qui recevoir ces documents-là qu'il recevoir. Ce n'est pas moi-même sonné qui ai recevoir, c'est en 2013, directeur général qui était là, tu recevoir ces documents-là. Numéro c'est 0340-00272. Ok? Donc, merci. Bon, mes amis, c'est pour la vérité et pour l'histoire. Premièrement, nous faisons connaître que l'enquête a été ouverte en 2013. Le rapport a été expédié au parquet en 2016. Et en 2016, Sonia Jean-François n'était pas encore le directeur général de l'UCREF. Sonia est directeur général de l'UCREF, est nommé directeur général de l'UCREF en avril 2016. C'est-à-dire 3 ans avant que l'enquête soit ouverte. Bon, ça veut dire que nous-mêmes, nous clairons ça, nous clairons la donne. Pas de personne qui a instrumentalisé UCREF pendant Sonel Jean-François dit que le général. Même pas comme dans la magistrature, en plus de monde qui connaît comme ça, nous avons passé un parcours honorable dans la magistrature haïtienne, comme magistrat, comme juge. Passer dans la magistrature, pas qu'à faire moi-même, m'a utilisé des données, fabriquer des données, trafiquer des données pour moi, faire mon tort. Et moi-même, Sonel Jean-François, chrétien évangélique, je n'ai jamais choisi de faire mon tort dans la vie, pas moi-même. En tant que juge, je n'ai jamais choisi de faire mon tort, même juge, je n'ai jamais choisi de faire mon tort. Mais là, dans tout parcours comme magistrat. Donc, mes amis, c'est clair, mais qui le dossier a commencé? Mais qu'il est fini, mais qu'il est rapport à aller, mal ça clair. Et mais ça te recevoir, et UCREF travaille, vu que UCREF recevoir une formule de ouverture de compte en dollars, mes amis, lui-même, information que le TDO c'est en dollars. Comment ça vient arriver? La justice lui-même, c'est lui-même qui peut faire enquête lui, qui peut approfondir enquête lui. Si tu bon, es fait au niveau de banque là, la justice lui-même qui saisit le dossier, c'est deux voiles pour l'approfondir, enquête liée à tout côté pour voir, côté élément pour rendre un bon genre de décision. Donc c'est ça lié. Donc nous rappelons là, souvent deux questions que nous avons posées. On commence avec M. Alex Laroche. Alors c'est même bagaille, on va préciser. Identifiez-vous le médiateur. Non, pas préciser Alex Laroche, je travaille pour l'agence de presse en ligne, l'HPL. Ça qui est intéressant, c'est par rapport à la déclaration du président et du Jovenel Moïse, c'est la justice à l'HPL. Vous voyez que je dis, tout ça, je dis, tout ça qui est comme chiffre dans la rapport que l'HPL soit, c'est vrai. Sauf ça qu'il faut, c'est. Je mets tes comptes en dollars, mais ce n'est pas en dollars, c'est coûte. Je mets 5 millions de dollars, c'est 5 millions. Ok, donc moi, quoi son question qui répond déjà? C'est que vu que formulaire ouverture de compte que UCREF te recevoir, c'est des 1 dollar que tu nous trouves là. 1 dollar. Déjà, il tout donné, donc donné au Kounia que le recevoir en termes de chiffres, donc donné au libellé en dollars, parce que formulaire ouverture de compte, c'est 1 dollar que lié. Donc, bien entendu, nous tous disons ça, nous tous, après répéter, le rapport UCREF là lui-même, soit rapport administratif lié, l'élevoi est par la justice même capable d'approfondir enquête lié. Si nous avons estimé lui-même, et ça que fait mes amis, UCREF pas qu'attend des mounes. Et ça, le prérogatif lui, pour l'attendre des personnes. C'est recueillir formation financière seulement, vous ébaillez la justice. Il revient à la justice d'interroger la personne. Et si mon nom dit magistrat, compte là, c'était un compte en dollars lié, en goutte lié. Pour la justice lui-même, vu qu'il recevait de UCREF, qui te recevoir formulaire dollars, juge là lui-même, il dit ok, pas de problème, je prends la banque là, je vais vérifier.
Mais son bagage qui simple. Son bagage qui simple. Il suffit que la justice fait travail. Et si la justice fait travail, il n'y a pas tout pour les de question. Si la justice fait travail. Ok, et Amélie Baron, je suis François. Enquête a commencé en 2013. Est-ce que c'est autant normal, 3 l'année pour le son, rapport pour le temps, enquête, le chef là. Et son nom est étrange parce que la sortie, le Jovenel Moïse, la candidat à la présidence, bah, ça n'est pas en coïncidence. Est-ce que le temps a pour enquête là pour rapport, il y a autant qu'il est normal pour le faire? Ok, et, mais ça qui vient d'arriver, c'est une très belle question, 3 ans. Ça qui vient, c'est que UCREF. Et la fin qui est liée, la paix adresser des correspondances avec des entités pour lui demander information. Il est possible que quelques entités qui parvoient et reposent sur Bali à temps de ça qu'on prend temps lui-même pour lui préparer un rapport lui-même. Et ça fait que le rapport est finalisé en 2016. Et m'a rappelé nous tous que l'envoi et le rapport ça allait, c'est pour ça qu'il allait. Rapports calés ensemble par la justice. 4 rapports calés ensemble. 4 rapports. C'est pour ce rapport nous calés ce jour-là. Il y a 4 rapports calés ensemble. C'est-à-dire, il est vrai que le dossier a commencé en 2013, mais vu des problèmes qui étaient pour une série d'informations de ces institutions, de qui fait que ça a été pour un petit retard pour enquête à finaliser, le finaliser en 2016. Est-ce que relevé compte qui est disponible sous le rapport ça, est-ce que c'est BNC qui pourrait relever compte là en dollars ou bien c'est par en fonction de ça nous avons gagné comme fiche technique Jovenel Moïse qui fait nous-mêmes nous mettre en dollars ou bien les sorties dans BNC comme ça, relevé à compte dollars là. Transaction. Non, formulaire de, d'ouverture de compte là, comme nous montrons là, livré en dollars américains. De ça à dire. Tout chiffre pas gagné, pas gagné avec écrit derrière. Mais puisque tu es ouvert de compte en dollars, tout chiffre c'est en dollars. Comprendre? Pas gagné qui dit, pas bon libéré après. Si on ouvre un compte en dollars, par exemple, dans une banque, ouvre un compte en dollars, donc là même vous prenez une demande, par exemple, vous pouvez faire un retrait. Ou quand il faut retirer 100 dollars, on a un écrit 100. Mais son compte en dollars, il y a 100 dollars quand même, son compte en dollars. Est-ce que ça arrive déjà dans l'histoire, il faut transférer des dossiers par la justice, et puis par qu'on raison, comme son bail matériel, son bail humain, qu'on a un problème qui passait dans le rapport là. Bon, maintenant nous sommes clairs. Pas de erreur dans le rapport, il crève là. Faut qu'il est pour tout le monde, pas de aucune erreur dans le rapport UCREF là. UCREF recevoir des données financières et le traité, il fait rapport en vertu de données financières que nous recevons. Donc, Kounian, bien d'où c'est la justice qui vous fait reste là. Et puis, le problème que nous gagnons, permettez-moi de dire ça, c'est que l'institution judiciaire n'a pas fait travail. L'institution de contrôle, par exemple, UCREF ULCC, c'est comme si les gens qui l'ont donné sont des diables. Parce que mes prédécesseurs, jusqu'à présent, ils ont shooté sous lui parce qu'ils ont un rapport préparé pour tel monde, oui. Mais si la justice lui-même te prend rapport ça, lui fait enquête lui-même, si rapport à Kébé lui dit qu'on s'accueille, il dit ça ou pas Kébé, moi, moun ça pas coupable. Il dit ça ou Kébé, moun ça mérité, condamné. Donc si elle s'est fait travailler, si on a de contrôle, lui, t'as bien ses pouvoirs. Mais vu que là, il ne s'est pas fait travailler, ou même que si on a de contrôle, lui, il vient nous comme diable. Si vraiment, il ne pas fait travail livré, ou à voir rapport aller, ou à faire enquête financière. Si USSC a fait enquête, voir rapport aller. Donc si la justice lui-même lit pas ce travail, donc il y a toujours un directeur général qui est comme un diable. Il y a toujours un directeur général du SC comme un diable. Yeah. Directeur général, vous soulignez que ces UCREF là effectuées à partir de une déclaration de soupçon que une banque ou n'importe quelle autre institution financière fait. Nous remplissons un formulaire parce qu'il y a des suspicions, si vous comprenez bien. Maintenant, vous-même, vous pouvez demander des renseignements. Dans le cas ça, vous présentez un document sous ouverture de compte. Comme cette administration qui a fait, est-ce que vous avez voyé une lettre de couverture pour vous qui dit que vous accusé de réception de tel bagage de document ouverture de compte ça? D'autant que
PHTK, notamment Richard Doré qui parle avec, mais qui voyait ben moi aujourd'hui et par moi électronique, une attestation de BNC qui dit que 03 compte 03 04 000 272 là, c'est un compte en gourde. Sous différents aspects, ça a besoin d'éclairage. Est-ce que c'est la BNC qui s'est trompée? Est-ce qu'il y a eu manipulation frauduleuse ou fallacieuse à des fins politiques? Sous différentes étapes, ça y est, expliquez-moi la technicité qui est dans le dossier tranquillement pour qu'on comprenne mieux. Et puis, un autre aspect, la monnaie utilisée pas nécessairement pour déterminer, pour établir s'il y a blanchiment ou pas, ou qu'a fait blanchiment n'importe quelle monnaie. Et est-ce que l'enquête que c'est la vie sous mené, parce que nous avons direction d'investigation, est-ce que dans le rapport ça, il y a d'autres éléments qui peut-être t'a qu'à soutenir thèse, conclusion qui dit que c'est possible que M. Moïse ait blanchi des avoirs par coup. Bon, et merci pour la question. Le, nous posons deux mandats institutionnels. Là, après répondre, nous, c'est toujours avec une bon lettre de couverture quand même. Une lettre de couverture, côté qu'ils répondent à demande nous. Et il y a d'autres éléments que banque voyait que nous pas qu'à étaler là dans le cadre d'enquête ça là, dans le cadre des conférences de presse là. Donc en plus on focus sur question de goutte d'eau là, etc. Mais conclut enquête là, on bande données, bande éléments qui baille, qui fait, il conclut avec une bagaille. Bien entendu, moi toujours dit, c'est un rapport administratif en vertu de données financières que il faut recevoir des analyses que fait de données. Donc c'est pour question de goutte d'eau, question de dollars. Ce n'est pas ça seulement, mais des données que nous recevons, une fait état de yo dans le rapport. Donc, bien entendu, si BNC trompe, parce que ça BNC voyait bah, nous en 100 dollars et vous venez de le voir, si BNC trompe, il est capable toujours écrire UCREF. Il est capable toujours faire état de héros matériel là. Et nous-mêmes, si nous recevons supplément de formation, ça. Devoir nous-mêmes, il faut nous voir ben, la justice supplément des formations. Nous clair dans ça. Parce que si nous recevons un bail de banque là qui reconnaît par exemple qu'elle était trompé dans sa dévoué par nous, et il voit une rectification par nous-mêmes, nous ne pouvons pas qu'il y ait une rectification à la caille nous. Devoir nous, si nous faisons la découverture, voyez ça nous recevoir comme supplément des formations, bail juge d'instruction. Est-ce que vous faites ça en deux temps? Est-ce que bien c'est tout trompé en deux temps ou pas, monsieur? Non, nous recevons tout simplement un exploit de cabinet d'avocat qui constitue pour la défense de M. Moïse qui notifie nous un certificat de la BNC qui dit que c'est un compte en gourde. Mais dans le cadre du rapport des partenaires privés, banques, c'est des partenaires privilégiés, UCREF qui est. Donc, c'est le voir banque là pour écrit UCREF. Dit, il y a une erreur matérielle qui s'est glissée quelque part. Le compte au numéro tel que nous dévoyons, ben nous, hein, au lieu d'un compte en droit, c'était un compte en route. Et nous-mêmes, qui devons être honnêtes dans le cadre d'enquête, nous mener nous-mêmes, devons nous, faut mettre judiciaire en possession de éléments ça. Pour nous faire la découverture, pour nous voyer le bail judiciaire comme étant élément supplément de formation. Joseph Moïse, je dis à vous de défendre l'invitation par rapport à des suspicions de blanchiment. Cabinet d'instruction pour courant verdict, là, pour le moment, c'est mon débat là, est-ce que BNC est trompé ou pas sur le type de monnaie que vous avez. Maintenant, si BNC est trompé, l'invitation intéressée à avant-jeu, qui sont les institutions publiques, ça y est, BNC, le public, et qui bref, qu'a dit intéressé ça parce que lui-même, il doit Ok. Et très bien. Très bien. Nous-mêmes, ça fait tout pour la précaution. L'un a voué rapport, nous voué rapport sous pli cacheté. Ce sont des rapports confidentiels que vous avez jusqu'à ce que vous arrivez devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, qu'on y a fait recevoir un rapport, lui-même, le lit et recevoir Mounsa. Kounia li ka mette moun an en connaissance en possession de dossier a. Mais juste ça doit venir devant la justice, il doit des rapports confidentiels. Et on toujours confidentiels. UCREF lui-même tout fait du travail pas. Chaque le rapport il faut souple acheter bail la justice bail commissaire gouvernement. Il toujours fait travail, il constate tout fait lui-même.
comprenez? Donc, où y a ça qui vient arriver? Et malheureusement, en plus, on ne peut pas vraiment comprendre le travail UKREF, attribution UKREF. Et nous, on comprendre ça parce que UKREF n'a pas dit une conférence de presse. Ça fait longtemps, depuis sous un directeur général, c'était Noël. Ouais. Parce que quand on a deux presse, c'est le bail dans UKREF. C'est-à-dire, en plus, on ne peut pas qu'on attribution à UKREF. UKREF n'est pas tribunal, UKREF n'est pas juge. Voilà. Parfois, on confond nous à ULCC. Nous, pas ULCC. ULCC est intervenu en matière de corruption. UKREF est intervenu en matière de blanchiment. Donc, mes amis, UKREF, ULCC, là on fait rapport, yo même c'est pas jugement prononcé. Yo voyez rapport by la justice. Mon gars, le rapport que vous voyez by la justice là, les la justice approfondie, enquête, il y a des gens qui indice, soit de propos indiciaux, ils n'ont pas concordant, ils n'ont pas grave. Et puis que les dit moun ça, pas gagné pour jouer dans la question. Et ça fait tout un bail de façon confidentielle. Les bons pour institution, yo. Mais le. En pile tout les faits autour de yo, c'est comme si vous êtes condamné avant même que vous jugez moun. Alors que UKREF lui-même, rapport lui, c'est rapport confidentiel, rapport administratif, que le voyez bah, la justice lui-même a basé sur lui pour nouveau enquête lui-même. C'est lui qui peut déterminer ce que moun a. Bien. Et en guise de conclusion, nous tenons à remercier nos amis journalistes et nous réitérons ça pendant que nous-mêmes, nous là, ils ne peuvent pas bien instrumentaliser, ils ne peuvent pas bien marrer dans pied personne, ils ne peuvent pas bien mal à la solde d'aucun homme politique, d'aucun pouvoir. Ils pendant son élection soir là, comme directeur général là, ils ne peuvent pas une entité autonome et indépendante. Merci Timothée Jean-Roch qui est dans la manœuvre technique yo, ou sous Signal FM, amis auditeurs, 90.5 en stéréo, www.signalfmhaïti.com. Nous après entrer dans le Parlement, nous avons pour nous retourner sur le dossier Sonel Jean-François, dossier rapport UKREF. Nous après entrer dans le Parlement, nous déjà connecté. C'est Josué Lexidor qui lui-même collaborateur nous qui en bas, qui dépêche pour Signal dans le Parlement. Quoi de neuf? Il y a une demande d'interpellation. Josué Lexidor, bonsoir. Non, et je dis là, bon, Jean Tapton, commission justice là, Tapton, ministre de justice là, DGP national avec secrétaire d'État à la sécurité publique là, il n'y a pas présenté. Dans ce sens, il y a une demande d'interpellation qui fait pour lui. Il y a tout, il y a une demande d'interpellation qui fait de même pour le ministre Santé, hein, qui lui-même, à plusieurs reprises, pas répondre à l'invitation. Commission santé. Là, nous avons le président commission là qui lui-même gagne 4 autres sénateurs qui signent demande d'interpellation ça. Alors calme attendant de nous dans quelle démarche pour qui ça demande d'interpellation ça. Justement, nous avons fait interpellation dans le cadre de rétablissement du prestige du Sénat, de rétablissement de la dignité du Sénat. Ministère nous interpellé. Parce que tout simplement, le ministre là, il est en rébellion contre le Sénat. Le ministre a été invité 3 fois et elle ne s'est pas présentée. Nous avons décidé pour que le Sénat, nous avons la valeur, la prestige, interpelle le ministre là pour que les cap répondent de l'acte de rébellion ça que fait par rapport, n'est-ce pas, à Sénat, qui c'est une institution prestige. Voilà. Voilà, moins des questions pour sénateur Cantave. Sénateur Cantave, c'est un gouvernement équipe. Alors, on a parlé de gouvernement et Jean-Charles là. C'est un gouvernement en fin de parcours. Qui conséquence ça va entraîner sous le monde qui t'a décidé bouder. Ben oui. Oui, alors, bon, petit problème. Oui, par rapport à l'environnement. Ok, voilà. Sénateur Cantave. Oui. Et son gouvernement qui est en fin de parcours, on a parlé de gouvernement Jean-Charles Lain, et qui ça s'est entraîné sous l'avenir politique de Zayo. Je suis. Est-ce que vous-même entendez-nous? Transférer question oui. Noire avec le sénateur, étant donné que l'équipe gouvernementale, ça, son équipe qui est en fin de parcours, normalement 7 février, vous avez dû aller, et qui conséquence ça va l'entraîner sous l'avenir politique yo? Bon, c'est. Alors, bien, nous sénateurs, Jean-René Sénatrice, qui
qui la tourne, nous allons de bien avant que nous réagissions sur la question des populations 1931. Donc, nous allons faire auditeur social, nous même suivre la déclaration président commission justice. Là, nous connaissons ces questions qui étaient à notre bureau aujourd'hui pour nous étendre ministre de justice sous arrestation du Philippe là. Question sécurité, période de carnaval là. Nous, malheureusement, le ministre n'est pas présenté et que pas gagné une lettre qui demandait un report. Donc, nous, on va faire auditeur de première déclaration du président de la commission, Jean-René Sénatus, qui lui-même a réagi. Je ne connais ni ministre de la directeur général de la police, là. Directeur de CPJ, secrétaire d'État sécurité publique là, M. Kimler Rubu, est invité pour te venir conseiller du travail avec nous aujourd'hui à la sous des points. Premier point, c'est que nous voulons gagner des informations officielles sur ce qui s'est passé pour auprès le 5 janvier, côté gagner un citoyen qui lui-même bénéficie d'un vote populaire de la Grandance, qui est élu sénateur de la République, mais qui est aussi arrêté, puis déporté vers les États-Unis d'Amérique. Donc, je voulais voir avec le ministre les circonstances et la légalité de l'arrestation suivie de cette déportation. Donc, je voulais voir avec le ministre tout quelles sont les mesures que je dis à la police là adoptées pour sécuriser les gens qui sont dans l'activité pré-carnaval et l'activité carnaval qui est déjà annoncée dans le pays. Lorsque nous songeons combien de gens qui ont attaqué soit dans le coin ou bien brûlé dans le courant à travers le carnaval que nous avons gagné dans le bas. Malheureusement, pour une deuxième fois, le ministre n'a pas répondu à l'invitation. Là, nous comprenons que c'est boudé, l'iboudé, travail, sénateur, il a fait. Et voyez de l'eau, ou du moins c'est notre figure Cora, qui c'est le Sénat de la République, en vue de jouer attribution que la Constitution reconnaît à nous-mêmes, qui c'est invité, convoqué et interpellé, l'Assemblée des sénateurs, nous sommes en train de nous là, pour nous interpeller le ministre de Justice là, demain si Dieu veut, pour venir répondre à question nous, et comme nous connaissons déjà, lorsque les interpellations sont vote de censure ou bien vote de confiance, nous-mêmes nous espérons que vous des signaux clairs capables de joindre l'autorité pour dire attention, il faut respecter les autorités haïtiennes, il faut respecter les institutions républicaines qui ont même à travailler en dépendance. Maintenant, moyens politiques, nous, ça nous le connaît. Ministre pas venir, il ne pas respecter le Sénat, il ne pas respecter les sénateurs. Parce que peut-être l'estimé, l'arrivé dans ce mandat, il y a 15 jours ou bien 8 jours pour lui aller comme ministre. Mais ça nous doit connaître. Ministre, ce n'est pas seulement l'élu au pouvoir, les besoins Sénat comme institution. Parce qu'après, il finit pas ministre encore. Il a besoin Sénat qui pour mal des charges de gestion. Je pense que c'est courir. Mais pas qu'on cache lorsque le ministre a estimé dans 15 jours, 8 jours, les papes viennent. Et je dis à ma vie, le nom au jeune ministre de la justice comme ministre Camille Edouard, au jeune directeur général de la police comme M. Michel-Ange Gédéon, choisi boudé travail sénateur, yo a fait, yo dit mettez dans cahier yo ici, mettez dans chemise. Ministère ça ou bien direction générale ça, y a un comportement anormal pour se gagner envers institution. Car moi-même, Jean-René Sénatus, je suis dans le droit. Je suis dans le blanchiment de le savoir. Je ne m'a fait mal que je fais l'État, je fais la justice. Donc, je fais le travail, pas que l'État va me faire. Là, on m'a mis. Je suis dans le sénateur. Moi-même, travail femme dans ma pelle. Bien sûr, c'est pas ça qui. C'est la loi. C'est pas ça qui. C'est la démagogie. On a remis au moins l'on a parlé avec autorité ou pour respecter.
tout est respecté comme sénateur de la République. Vous pouvez pas poser une question pour non, non, et question, on comprend. C'est ça, on a une décision écrasée. Vous voulez la passer? Question, on va la passer. Merci un pile Josué, parce que nous constatons, monsieur, là, il fait bah, il transformé, t'as couillon, on gagne coq. Bon, c'est voilà, intéressant et pour nous sortir dans notre marché, si monsieur qui a fait accrédité dans le Parlement, Jean Yafel là, il n'est vraiment pas intéressant. Question, ben justement, question qui m'a des sénateurs, est-ce que ce n'est pas démagogie à son question non-sens hein? Au moins, je mets des pieds nous sous la terre et si ces journalistes nous viennent, c'est des professionnels, il y a un Jean pour nous faire. Là, on prend, depuis que ce n'est pas par d'assaut, nous prenons métier, bon façon pour nous faire. Ils sont démarches légales, nous estimons qu'ils sont démarches normales. Il y a normal pour que. Vous comprenez, Josué? Est-ce ça, je pense que c'est bien intéressant. Est-ce que le sénateur, il est tout prêt ou bien il continue à parler? Oui, il continue à parler. Josué, frontier carte où pendant que appareil ou t'en amène l'autre monsieur? Frontier carte où moi, je nous pose deux petites questions et nous avons fait deux petites considérations. Considérations qui ont à voir avec le monde qui signe notamment et demande d'interpellation à niveau commission justice et sécurité parlement. Bon, et. Le Sénat, normalement. Malheureusement, côté de là, nous pas qu'à déplacer parce que. Et, mais justement, même, on va passer bien parce que moi, vous recevez bien. Allô, est-ce que vous entendez bien? Oui, moi, je recevez bien. Voilà. Et donc, si j'ai un élève sénateur, vous continuez à parler. Mais question, c'est sur moyens politiques. Est-ce que. Parce que les besoins, au moins. Au moins, c'est un sénateur. Pas au moins, c'est un sénateur. C'est un sénateur pour gagner un quorum, pour ces interpellations à lui-même effectif. Donc, vous connaissez, lorsqu'il gagne une interpellation, comme du moins, c'est un vote de censure ou bien un vote de confiance. Donc, là, c'est pour connaître, est-ce que vraiment. Il y a ces cinq qui s'y ont demandé d'interpellation. Rappelez-moi les cinq qui ont, rappelez-nous cinq personnes qui concernent, alors cinq personnes qui s'y ont, et puis nous allons rappeler le ministère qui concerné par la demande ça. Voilà, il y a lui-même, président de la commission, Jean-Venel Sénatus, qui s'y ont, il y a un sénateur nord-ouest, là, au nom de lui, il y a un sénateur sud-est, là, depuis chez Lupin, sénateur sud, là, Jean-Marie Salomon, deux sénateurs sud-yaux, alors Jean-Marie Salomon et Hervé Foucault, et puis le sénateur de l'Antibonite, Carmine Alcantave, qui, lui-même, il y a environ, alors il y a six qui s'y ont, l'ETA, pour demander, c'est peut-être que le ministre, je sais qu'il était deux semaines et demie environ pour le mandat fini. Donc, il est capable de bouder l'invitation. Mais, c'est la doit dire qui est important. Ce n'est pas seulement en tant que ministre. Le ministre, il parle bien sûr d'échange pour le participer, pour continuer. Oui, vous continuez, Étienne, justement. Et l'échange, là, c'est Nara Kabbalil. Donc, ça veut dire, je pense que Jean Sénateur a dit là, c'est un mauvais précédent. Calcul. Voilà, c'est un mauvais précédent qui a créé là, parce qu'il n'est pas vraiment. Même ma salle de café pour chambre d'évité à tout, parce que député a plein en pile de le fait qu'il a évité à plusieurs reprises des ministres. Le gouvernement a boudé l'invitation, et le ministre a boudé l'invitation plusieurs fois dans la chambre des députés. Le premier ministre lui-même, Éric Jean-Charles, qui lui-même a plusieurs reprises boudé l'invitation de la chambre des commissions dans la chambre des députés. Enfin, voilà, c'est un gouvernement qui en rébellion contre le Parlement. Merci un peu, voilà, Josué, voilà. Nous en base. Alors, voilà, Tom Dumont. Voilà, et ben, nous entendons l'invitation, hein, et c'est, alors, nous entendons l'information, c'est
Et ministre justice et sécurité publique, là, pas mettre pied en bas encore, puisque hier, tu as une invitation, chambre député, à Ténan Sebali. Mais j'ai une dernière invitation, qui a été faite par Camille Junior Edouard. C'était au lendemain de l'arrestation de Guy Philippe, sénateur élu de la Grandance. Et ben responsable de la justice, notamment le ministre Camille Junior Edouard, était de présenter en bas pour une bas explication. Les saletés de faire accompagner du principal responsable de la DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, et le DG de la PNH. Pour au moins, je devine une explication sous le processus d'arrestation Guy Philippe Lan, ou du moins Jean Guy Philippe T. transféré vers les États-Unis d'Amérique, alors plus précisément vers la Floride. Jeudi encore, alors hier, Camille Junior ne doit pas mettre pied. Jeudi encore, Sénat République l'a invité, il n'a pas mis pied. Finalement, il a décidé, après plusieurs demandes ou bien et plusieurs invitations, il a décidé et interpellé et ministre Justice et Sécurité Publique, là, qui lui-même est doué faire l'accompagner du secrétaire d'État à la Sécurité Publique et colonel Himmler Ribi. Sans pas oublier, il y a un monde d'un coup. Et ministre Santé publique là, n'a pas rappelé ensemble de centres publics dans le pays, centres hospitaliers publics, ils ont en grève. N'a parlé de personnel, petit personnel là qui entrait en grève, nous changer centres hospitaliers publics dans le pays, qui était eux même fait près de 5 mois, pas fonctionné la cause de problèmes infrastructurels, des problèmes qu'il y a avec salaire, meilleures conditions de travail, à clôt encore, ça c'est question salaire et puis bon condition de travail, c'est ça. Et ben nous songer nous connaît motivation, bon salaire à environnement travail, là c'est deux éléments qui motivent pour travail. Alors et demain Camille Junior Edouard ensemble avec ministre santé Edmond Sayo, yo t'a doué présenter en bas, mais même si yo pas t'a présenté, mais demande d'interpellation et quand même. Et il a été présenté au niveau parlement, et même si il a pas été présenté, demande d'interpellation, il était debout. Mais le nous considérer, gouvernement, ça, son gouvernement qui est en fin de parcours. On a parlé du gouvernement Inex Jean-Charles. Il est en fin de parcours, monsieur Damio, peut-être que ça peut être pas dit rien, mais il faut avoir une décharge. Il faut avoir une décharge de gestion, puisque sous ces comptables de deniers publics, quel que soit l'heure où tu as nommé, soit au poste de ministre, avec l'autre encore, de directeur général, dans n'importe quelle autre institution, ou a besoin de décharge parlement. À un degré moins de sous, décider encore à le poser candidature, soit pour poste président, pour poste député ou bien sénateur. Ça aussi des bagages qui fondamental, faut qu'on rende compte de façon où tu as géré l'État. Mais nous, on a habitude, nous prenons. Il y a une loi qui m'a dit pour faire déclaration de patrimoine. Comme si nous disons, alors déclaration de patrimoine, non, loi pour entrer dans l'État, ou doit déclarer tout ce gain comme bien. Meubou, meubou, salia. Et combien vous avez la banque? Combien de cas vous avez? Combien qui sont gagnés dans l'actif? Il faut déclarer. De toute façon, vous ne pouvez pas faire enrichissement illicite au détriment de l'État. Au détriment de l'administration publique. Mais combien de nègres qui fait déclaration patrimoine, non? Les apprentrés. Ou bien même les autres, combien de tout qui fait li après ou sorti? Parce que bien hypothéqué, loi pour entrer dans l'État ou fait déclarer ou déclarer ce qui sont gagnés comme actif, qui sont gagnés dans actif ou bien ça hypothéqué. Ça veut dire pendant même qu'on fait déclaration, tout autant que pas gagné, ils ont. Il y a une décision qui prend à niveau du Parlement pour bon, des charges, bien on l'a hypothéqué. Ça veut dire ou pas qu'à, si son cas ou t'es gagné ou t'as décidé, ou pas qu'à vendre ni. Parce que bien hypothéqué. Il y a des gens qui parlent du compte de ça. Mais l'on fait déclaration patrimoine, non? Autant que institution parlementaire là, ou bien institution qui charge pour faire vérification, pour vérifier qui sort gagné, qui sort sorti, l'on sorti dans l'État. Autant que pour qu'on joue des charges bon côté parlement, mais bien li na hypothèque. Bien li na hypothèque, la vez dit qu'on l'op moun kap touche pou li non, mais de toute façon, on est déjà à principal là. Mais bien, et ou pas ka vann ni, hein, ou pas ka utilise l, comme si, ou pas ka vann ni, sou ta décide vann ka isa, par exemple, sou te 3 ka ou décide vann yon, ou pas ka vann ni, parce que, ou pour qu'on gagne, ou pour qu'on sanctionne par le Parlement. Alors,
Et c'est une consultation gratuite. Hein, c'est une consultation gratuite. Nous faisons le cadre de faire ouin, qui est trop. C'est une consultation gratuite. Alors, et la démarche est légale, la démarche est correcte, dans la mesure où l'anormal, l'institution de contrôle, qui c'est le Parlement, et que l'IGN, ça a comme responsabilité. C'est que de nègres fait des ordres, ça illustre. Hein? Yo mando pour venir rendre compte, yo mando pour venir faire une explication sur des bagages qu'a fait, et qu'on choisit au bout d'elle, pas gagner l'autre décision que le Parlement prend pour capable interpeller. Et interpeller, il y a deux résultats possibles. Ou capable sortir en vote de censure, à son éventualité, si ça arrivait que l'explication n'est pas convaincante, soit avancer comme argument pas convaincre l'Assemblée parlementaire là, bon, ça arrive au gros, ou soit renforcer tout. Hmm? Et soit en vote de confiance. Hein, soit ou aboutir à un vote de confiance ou aboutir à un vote de censure. C'est deux possibilités. Si le ministre Santé a lié de bonnes explications, de explications qui sont convaincantes, l'Assemblée parlementaire, là, dans la mesure où il réunit ses sénateurs, et même le cas sorti, renforcé. Et que qu'on est à, dans la gestion, l'on parle pour demander des charges, avec un cap de possibilité, mais sans embâge, l'Assemblée parlementaire a réuni, au fond séance, et puis, yo, bah, ou un certificat de décharge. Mais si, c'est pareil pour Camille Junior Edouard, jeune ministre dans la trentaine, hein, très jeune, il gagne, avenir politique qui parle. Et pas seulement pour servir comme consultant à niveau administration publique, là, mais faut avenir politique l'entour les protéger. Revenons à l'UCREF, à l'unité de centrale de renseignement financier. Nous étions en détail, là, nous étions bonus, hein, nous disons bien, ou t'es une possibilité autant d'intégralité conférence à, et nous déposer question, est-ce que UCREF est obligé relayer la presse pour parler sur un dossier là, enquêté, sous lit, mais le directeur général a quand même a annoncé ou bien avancé de argumentaire. Par contre, s'il arrive convaincu, mais moins particulièrement, je ne suis pas convaincu parce que je suis estimé, en dépit du fait que le dossier a fait bruit, il n'y a pas de raison à la conférence de presse. M'a justifié samedi, c'est parce que Gomba n'a construit que l'État. Gomba n'a prôné depuis un bon bout de temps nous relé l'État de droit, même l'œil rété de même son bail conceptuel. Parce que plus gros problème nous gagnons, haïtien un gros mot, puisque nous gagnons nous hérité de français, de bail, nous hérité de langue, cet élément culturel. Nous parlons gros, nous parlons gros mots, nous faisons bel discours, nous faisons de grands volets, mais applicabilité, application, dirait un mythe pour nous. Pour qui ça? C'est pas longtemps, c'est pas hier matin. Nous avons parlé de l'état de droit. Il y a un nègre qui dit c'est Haïti même qui commençait avec question de droit. Le en 2000, le en 1803. Nous en 1804, nous décidons pour l'indépendance, non. 18 novembre 1803, nous faisons bataille de Vertières. Et en 1700, nous coupons blanc français. Nous gourmons contre l'esclavage. Nous faisons bois caïman. Nous faisons révolution. Ça veut dire, nous, c'est le premier monde qui était secoué. Qui a dit, non, il faut que le monde respecte. Qui donc, il dit, Haïti, inventez le monde. C'est ça, il dit pour nous. Puisque c'est la première république nègre qui prend l'indépendance, nous. Mais il y a un problème. L'en parle de l'état de droit, pas inquiète. Il y a un bon nègre qui n'a pas mangé, même une fois en journée. Il a mangé une fois par fois. Il y a un bon monde qui n'a pas joué sous bon vin soin santé. Il y a un bon monde qui n'a pas joué bon l'école. Pour petit, tu aller ou du moins même l'école là, il n'a pas joué parce que il y a un problème tennis, un problème uniforme, un problème livre. Il y a un causé de l'eau pour mon boire. L'eau potable, c'est des bails comme ça, oui. Hein? Et nous qui inventons droit monde, c'est nous qui faisons ces bagailles. Ben, si nous parlons d'état de droit, nous parlons d'un pays côté de l'ordre. Tant que nous avons entendu la dernière fois Jovenel Moïse, le président élu, il a parlé de l'ordre. Mais l'ordre là, c'est pour l'ordre qui mettait dans sens, en catégorie, au détriment de l'autre là. Comme si on instrument de persécution, ou bien, ou l'autre encore.
Mais l'autre ça, son l'autre côté, institution respectée, institution renforcée. Institution renforcée, vous l'avez dit, leur grande décision qui sorti dans la justice pays, je fais le crédit, je fais la confiance, je me rends compte que je suis convaincu, peut-être moins, que pas gagner l'autre monde qui a pas abusé au profit de l'autre catégorie sociale. Haïti aujourd'hui, sur antenne Signal FM, Timothée, est-ce que 47 là finalement, les bon, 47, 14, 22, 64 là, nous avons une possibilité avec Mounio pour faire un petit parler. J'ai la grande pile causée dans la République. Nous parlons de demande d'interpellation du ministre de Justice là qui, en rébellion, d'après Sinda répété propre mot, président de la Commission Justice Sécurité Publique, dans le niveau Sénat République là, nous avons parlé de Jean-Renel Senatus, Calmeux à Cantav également, et qui prévoit pour faire demain. Et puis, de Céry Kef là, qui toujours Kembe et actualité là. 305-407-2119. Antenne Signal FM, www.signalfmhaïti.com, 90.5 en stéréo, a été aujourd'hui troisième livraison pour Semaine ça au micro Tom Dumont, Timothée et Jean-Roch. Rete branché Signal, Wap Kabrele, tout de suite après pause là. Paulapalais.com. Alors, bonsoir. Anbali. Oui. Anbali. Mon cher, ça n'a pas eu d'Haïti à faire comme ça. Mais n'a pas eu à lever du Philippe. N'a pas eu à lever du Philippe pour parler dans le palais. Quand il y a eu à lever Jovenel Moïse. N'a pas eu à mettre ça au vrai. N'a pas eu à lever le dossier. Ça n'a pas eu à lever un côté de la vie de Théa. Et depuis le monsieur Fèvre, même moi, et la campagne, côté de ce château, depuis 20 mois, c'est tout ce qui est là pour aller tout fermer, et les parties de l'éducation. Mais Haïti, ça y est, les deux malades, mais ils ne peuvent pas le pays avancer. Puisque nous ne sommes pas capables de dans le pays, nous ne sommes pas capables de dans le pays, nous ne sommes pas capables de dans le président. Dis-moi, il chita, dis il chita, pour Ah, non, ah, bon, on mettra coché. Merci beaucoup. Ouais. Et 305. Hein, au moins, soit, c'est ça, son minimum. Et c'est pas seulement pour nous relayer, mais il faut au moins, si vous avez un mot au début. Si vous n'avez pas un mot au début, nous risquons de shooter, nous risquons de tomber dans vos monter. Il me dit bien, oui, espace, ça n'est pas espace, vos monter. Non, dans le sens, pour nous faire des bails fantaisistes. Parler malfaisant, brassaisant, dans le monde, tout le monde, moins pas un yé. Timothée, on regarde non, 305. Bonsoir. Comment est-ce? Bon, bien. Pas tellement fini net, parce que les gens ont une situation dans le pays, à nos patates. Où t'en dis-tu, Jean-François Dallaire? Oui, t'en dis. Monsieur Baïtet, lui, on souffrait à tout, ils sont abusés, on souffrait à demain. Ok. C'est dans le qui peut courager, mais lui, Baïtet, on souffrait à demain. Si nous t'en en place, il y a deux métiers, il veut me démissionner. Est-ce qu'il t'a dû parler? Non. Ok. Non. Et je crois qu'il n'a pas de conseiller, mais je pense qu'il a fait tout le bagage pour contre. Si le thème de même, c'est petit monde qui a marché dans l'arrière conseil, il a dit le silence. Parce que sous son autorité, au fil font enquête, ou recueille des informations par une institution crédible, ou voyez le bail à la justice, qu'on est là, on doit rester en silence et rester suivre la justice même pour le faire par coupable, pour la faire investigation par le site détective qui a été glissé. Qu'on est là pour le vraiment de demander d'explication ou même pour essayer à le refouiller encore pour toutes les informations pour vérifier s'il y a une erreur. C'est là ça peut-être pour qu'il faut clarification comme un monde qui est honnête et qui faut dans l'institution à diriger. Il a fait valeur l'institution en plus. Et qu'on est là pour montrer qu'il y a les bonnes manipulations, la donne, et réellement paraît. Devant Dieu, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, il est réellement tout cas d'institution ça. Et ensuite, pour parlement, pour parlementaires qui convoquent M. Damsa, nous avons souhaité tous les sénateurs
de supporter la décision ça, parce que ça, c'est sans figure à essayer de rester, c'est respect. Parce que l'air de respecter, et un sénateur ou bien deux ou trois, c'est toute institution qui de respecter. Je crois que tout le monde est derrière, même les que vous avez gagné. Et Kokodayo avec le ministère, il doit camper des décisions ça pour respecter. Parce que vous devez mettre des amours. D'abord, c'est des amours qui font respecter d'abord. Parce que vous respectez tout. Et puis, les amours, tout, vous devez faire respecter. Bon, si des joueurs, vous pouvez faire des amours avant. Merci, c'est tout. Net. Merci, un pile. 305-407-21-19, 47-14-22-64. C'est libéré. Et nous, nous, ici, là, nous avons de nègres. Par exemple, Internet n'a pas marché. Et nous avons fait porte Maxime Polycap. Eh bien, tout va passer bien. Même j'entoure avec Fréo de Sous. Hein? Fréo de Bricolé, non? Le chef de production. Si vous êtes Jean-Marc, dans la manœuvre technique, yo. Toi, ça, c'est grand monde sous ligne locale là, si vous êtes. 47, bonsoir. Il y a allé. J'ai l'impression qu'il est fini. 47, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment nous? Bon, nous, très bien. Merci, Tom. On parle, non? Vous êtes en train d'interviewer? Et pas interviewer, non? Vous êtes en train de conférence, non? Oui, nous, t'étendons. En train. Ah, bien, on parle. Problème, non? Alors, moi, je suis avec Tamara dans l'émission. Angela et Tamara. Marie-Tamara, pas d'accord avec non? L'on a dit, madame, n'est-ce pas? De toute façon, les bonnes paroles, Tamara, qu'on dit, Haïti, c'est un guerrier que petit pays. Alors, le pays, ça va être une pièce côté de l'Ouali. Tout le monde a fait ça. C'est nous-mêmes, petits employés, qui avons fait les conséquences. Et tout le monde qui est dans le gouvernement, ça, qui peut aller, ouais. Invité au barilé, mais on va aller quitter qu'est-ce que là on goûte, après là tout comme yo. C'est nous-mêmes des professeurs, c'est nous-mêmes tous les qui emploient l'État et au cap travail depuis 5 ans, 4 ans, pas de jambes qui a touché, depuis la instabilité dans le pays. À demander des gars, puis d'arrêter les gars, puis d'avoir payé à une chance. Merci, monsieur Tom. Merci, un pile. Les 305-407-21-19-47-14-22-64. Timothée, nous avons une ligne internationale. Hein? 47 et. Bon, c'est 305. 305, bonsoir. 305? Allô? Oui, vous m'avez parlé. La CNC Radio. Vous par contre, vous qui est radio branché, non? Radio. Bon, on a l'air. Tu m'as dit, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la planète Terre, non? Il est dans l'air, mais pas. Il est en l'air, mais pas dans l'air. 347, bonsoir. 47, 305, et 47, bonsoir. 305, 305, 407, 21, 19, 47, 14, 22, 64, et au sous-signal a été aujourd'hui, au sous 90.5, au sous www.signalfmarité.com, il y a un monde sous 305, l'intimité. 305, bonsoir. Ben, étant donné fait là, on allait, nous allons laisser bon l'autre monde. 47, 14, bonsoir. 47. Nous avons l'impression que nous n'avons pas gagné et appareil avec vous. 305? Yes. Et on va aller. Comment nous? Nous en forme. Et bon problème, le problème est chaque après élection. En Haïti, on a eu des avis un truc pour le candidat qui est là pour le balayer en dossier. Moi, je l'ai concerné avec le dossier, Jovenel Moïse. Allô? Allô? On m'a parlé ou un autre? Oui, yeah, moi, je l'ai concerné avec le dossier, Jovenel Moïse, là. Quand il y a eu l'emblanchiment d'argent, je comprends que ça paraît impossible. Mais cependant, chaque après élection, toujours il y a un truc, il y a voulu pour blême, pour comme si mettre les gens qui sont en face, on sait des obstacles. Moi, j'ai besoin pour Haïtien, suspendre faire ça. Ça, il y a des diffamations, pour suspendre faire des diffamations sur le monde. Regardez. Merci, Abil. 305 407 21 19 47 14 22 64 et Gamon sur 305 Timothy et 47 bonsoir. Et on t'a souhaité qu'on branche de préférence au téléphone non gagné et yon bien et faire retour là nous il vient joindre nous et Timothy on déconnecte mon ça parce que là on constate monsieur c'est en délié
mais elle va dans l'air. 305. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu es en forme? Nous en forme, on va aller. Je vais attendre l'équipe là. Et moi-même, ça ne va pas comprendre les bagailles. Maintenant, les deux bagailles là. Déclaration. Vite. UKF là. UKF là. OK. Premièrement, comment monsieur Fézine parler dans la bagaille ça? Il fait de fond silence. Et puis pour te prendre les choses à marcher. Pour n'y a, si tu as une référence, au bout de chemin, que tu as besoin, je connais que c'est dans la coulisse qui vient d'après, tu as balé. Mais comment M. Fézine fait déclaration ça là? En partant, il n'y a pas d'institution qui peut faire travailler ta besoin. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Comment il n'y a pas de valeur déjà? Nous n'avons pas de justice, nous n'avons rien, tout le monde est sous bloc. Même les demandes de l'État ou bien jugé le président, mais il faut que ça vienne pour parler du juste ce qu'il a fait. Bah ouais, on va comprendre ce qu'il a fait. Deuxième bagaille, ministre, et que y aurait là dans l'interpellation du parti entier. Mais ça, bon, est-ce que c'est sous forme qu'on est allé, son petit bout qui était, il va le présenter à quoi ça passe? Parce que même je ne pas comprendre. Est-ce que Nessa c'est bon dieu? Franchement, je ne pas comprendre ça. Ça veut dire que tout le monde est créé dans le pays à la net. Et puis les finis négio a interpellé le monde, il a dénoncé le monde, il veut dire qu'on en bat ici, on bat cela. Moi-même, comme pas l'expo, parce que d'abord, Dieu est là, je paye que cela. Là, la parole, monsieur, bon, monsieur, il n'y a pas de parole, je ne sais pas si je ne comprends pas, je ne sais pas si je ne sais pas répondre, je ne sais pas si je ne sais pas là. Je ne sais pas comprendre, parce que je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas comprendre. Mais qui ça, yo, compromettre à faire agripper à la fête de là. Moi-même, c'est le bagage que j'ai toujours dit, je ne vais pas faire aucune menace, je ne vais pas dire rien, mais qu'on est 7 février, et 7 février, ou du moins, exil parce que puis là, ça vient d'être en bas. Et que c'est ça que je ne vais pas faire. Je dis que je vais comprendre, non, Negio, je fais une là, et plus, Negio qui fait diriger dans tout, qui va venir dans le Parlement et convoquer. Mais ça, bon, je connais qui ça peut le faire, quand nous l'autre bagage, je connais que je vais comprendre. C'est ça que je vais dire, directeur. Merci un peu. Les 305-407-21-19-47-14-22-64. 47, bonsoir. Olapalais.com. Ben nous gain Isaïe et qui gain éventuellement son point de vue en information de rap communiqué nous. Isaïe, comment nous est? Quel bonsoir comme du monde, bonsoir aux auditeurs signés à l'FMIO. Mon cher, exactement, et comme vous pouvez aussi. Allô, l'autre? Oui, César, où on s'en va avec nous en ligne? Ok. Vous avez annoncé ça et. Vous avez parlé sur ça. Question, convocation, ministre de la Justice, Camille Edouard Junior, accompagné du directeur général là, il a boudé pour la quatrième fois. Et convocation, Assemblée sénatoriale, vous avez invité, convoqué pour répondre à la question sur l'arrestation du Philippe là. Et puis, nous connaissons à l'ère du carnaval. Malheureusement, ministre de la Justice, qui est un jeune garçon, très jeune, et qui remplit l'avenir sur le plan politique. Et lui, t'es capable, en bon matin, d'ouvrir le poste ministériel, pourquoi pas premier ministre, et pourquoi pas président de la République. Mais, dans la foulée, si l'Assemblée sénatoriale réunie en Assemblée, il y a eu un vote de censure, c'est sûr que M. Pape Jean est capable de briller aucun poste, et côté là, capable seulement jouer le rôle, consultant dans quelques institutions, et des fois même, il est capable même à ce que lui-même lui vient remplir le cas. Parce que c'est un manque d'égard à l'Assemblée des sénateurs, à l'Assemblée du Parlement, les 11 ministres qui ont convoqué pendant 4 fois, et menu cette question arrestation de Guy Blanc, et d'autre part, question carnaval, la sécurité du carnaval. Et c'est très malheureux, et nous sommes sur ça déjà, côté des parlementaires, étaient convoqués, ministre, ancien premier ministre Laurent Lamothe. Nous qui allons regarder exactement ça qui va arriver, Laurent Lamothe. Côté Parlement, ça va lâcher Laurent Lamothe. Il va perdre la face
face à la balance avec l'opposition démocratique qui s'appelle un réseau sur Laurent Lamothe. Et dans ce cas, le ministre de la Justice, Adrien Petit, qui, au quatrième point, pas répondre à convocation de ce Félix au niveau de la, au niveau du Sénat de la République. Et c'est très malheureux, comme jeune garçon, Camille Edouard Junior, et bien, monsieur, et fait être aide, mais il pensait que le système privé pourrait aller au-delà de 7 février, parce que 7 février, ok, c'est fini pour le système privé, fini, dans la mesure où quelques agents ont lu le dossier Jovenel Moïse d'Abouchon, et ça prend au niveau. Sur le plan politique. Et Jocelyne Privert n'a pas l'autre choix à aller porter cette charte présidentielle-là dans le Parlement qui te va le mandat hein, suite à l'élection ça au second degré. Donc, l'information, c'est que M. Camille Edouard Junior, très malheureux tout pour le secteur général policier. Et Isaïe, vous demandez d'interpellation, oui, et qui c'est qui formule c'est demain? Et déjà, c'est Sénat, c'est Jean-Yves Sénatus, au nom de Louis, Gagnien et Dieu Piché Aubin, Jean-Marie Salomon, Calmio Akantav, cinq sénateurs saoussiens demandent d'interpellation contre Camille Junior Edouard et puis ministre de Santé publique là, à la population. C'est le cas de le dire et c'est très malheureux. Et pas quoi. Et le ministre de la Justice là, a sécurité publique après avoir sorti renforcé. Dans la mesure où je estime que monsieur rébellé. Non, mais dans l'intervalle, pour ta sortie en force, il faut que tu aies une lettre d'excuse ou bien, et bah, qu'on ait, même j'en ai écrit dernière fois pour te dire qu'on conflit d'agenda, pas qu'une excuse qui allait joindre l'Assemblée parlementaire. Il ne l'a pas fait, parce que je n'ai pas parlé avec tout le monde dans le cabinet, je ne sais pas faire lui. Et peut-être c'est parce que peut-être monsieur est capable de comprendre que lui, il peut gréner, il peut pouvoir, que le Parlement n'a pas voulu dire rien, mais c'était malheureux pour le pays. Parce que nous avons ici par respecter l'institution, hein, Tom. Merci un peu, les aïe. Merci Tom. Voilà. Et allez, Antimothée, on rejoint les auditeurs. 305. Et 305, bonsoir. Bonsoir. On va aller. Ok. Nous allons, parce que moi, on et vous pensez, monsieur, t'as descendu au Parlement aujourd'hui, hein? Ministre de la Justice là. Bon, comme c'est pas moi qui t'invite. Oui, mais je ne pas quoi ça. Parce que l'action criminelle, ça, monsieur, vous faites, ne pas la descendre. Parce que c'est un gros complot qui fait par le ministre de la Justice là, réduit avec chef police là, j'ai dit. Parce que ça, ne vous faites, même si tu vas aller, ça n'a pas fait. Parce que nous avons fait un complot pour monsieur qui est sénateur, qui publie dans le moniteur, et il a reconnaître nous comme sénateur. Nous faisons complot, nous arrêter les gars, nous expédier les gars, chauffe là. Et puis pour monsieur, ça, ta descendre tout le monde. Non, monsieur. Parce que, ou bien, monde qui est plus dangereux dans le pays. Et ça, c'est, faut que monde joue à l'intelligent. Parce que monde qui est plus dangereux, je ne vais pas citer non long, mais c'est sécurité d'État à la sécurité publique là. Parce que l'absence, on est à l'aile de Nizel, Blanchot, vérité. Anel Belizan n'a pas parlé de Jocelyne Buvet. Il s'est déclaré Anel Belizan, c'est parce qu'il demande de priver un job, qui privé pas de balayer, qui fait le compte privé. Et puis depuis ça, il dit, manqué intelligent, chaque fois Anel Belizan choua, il parle de privé, il dit toujours pousser Anel Belizan, vieux pion ça pour embarrasser les là. Et ça fait, monsieur, l'été, ça n'est que vous faites, hein, c'est plus gros que vous n'avez qu'à faire, et n'est que vous payez pour ça quand même, parce que ça va tirer vos effets. Moi, ça, bon travail, pour continuer à faire bon travail. Merci. Tu m'as dit, n'a pas compris là, oui. N'a pas un dernier monde là? N'a pas un 300, n'a pas un 47 là. 47, bonsoir. Monde 305, il va vous aider encore. 47. 47, 14. Ok, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. N'a pas conclu, Timothée. N'a fait une considération ça et n'a demandé attention auditeur à auditrice signal. C'est vous attendez nous, mais si vous êtes occupé ou êtes distrait non l'autre bagaille, n'a demandé attention sur aspect ça. 6 janvier et c'était 6 janvier. On vérifie agenda non d'abord. Paul@palais.com. N'a parlé de l'arrestation Guy Philippe. Et ton jeudi. N'a parlé de l'arrestation Guy Philippe. Justement, c'était un jeudi. Ils ont arrêté Guy Philippe.
Dossier qui Philippe là, il fait près environ 2 semaines. C'est toute semaine passée, c'est de ça y a parlé. Et jusqu'à une minute n'a parlé là, il toujours kembe actualité. Guy Philippe, au fond première audition, alors sa pré-arrestation dit, officiellement le 13 janvier, devant le tribunal à Miami, et il a arrêté, il a tendu des citoyens. Bon, le plaidé non coupable, bon, l'autre rendez-vous est le 27, cap vini là. En pile, moun parle en pile. Il y a deux mouns, même les aucun problème avec Guy Philippe. Mais c'est pas, c'est façon hein, qui révolte haïtien. Et façon arrestation en fait. Et il estime que c'est manqué de dégâts, c'est souveraineté nous souillé. Normalement ou bien légalement, Guy Philippe t'es doué. C'est dans mes autorités, la justice haïtienne, c'est dans mes yeux que le dédouan passe. Même tu as évoqué un bail tout à l'heure, là, dans le moment où tu as introduit l'émission. Hein? Côté, nous avons rappelé qu'en Haïti, c'est dossier qui rentre dossier. C'est dossier qui rentre dossier. Justement, dossier UKF là, il a provoqué un pile par l'empile depuis avant hier. Mais hier, dossier a pris l'autre tournure. Oubliez, non, nous avons Guy Philippe. Guy Philippe, c'est le chef qui a mené l'offensive en 2004 contre la Valasse, contre Jean-Bertrand Aristide, qui était obligé, Jean-Bertrand Aristide, parti, qui était PIA. Hier, dossier a pris l'autre allure, on a parlé de dossier UKF là, puisque 4 sénateurs du tendance lavalassienne ont écrit avec le président du Sénat République là, Yuri La Tortue, mandé monsieur rassurer que dossier ça a. Et que li traité, li fini, et que pour pas gagner aucun soupçon, hein, sous monde qui appelé pour venir diriger pays à 7 février qui a venu là, qui c'est Jovenel Moïse, président tête calée. Et ceci n'a fait, ça n'a fait à 100 partialité, à un minimum d'équilibre. Nous rappelons bien, oui, Guy Philippe, c'est lui qui t'a mené offensive 2004, qui t'a obligé à Jean-Bertrand Aristide quitter Palais National, quitter pays à tout d'ailleurs. Dossier Guy Philippe là, encore une fois, nous avons ces dossiers rentrés, dossiers ici. Et pour vous dire, je vous mais le dossier Guy Philippe, là, vous avez moins de monde parler de lui, puisque le dossier UKF là est sous tapis. Ce n'est pas qu'il a oublié Guy Philippe, non, parce que le 27 fois, il a toujours parlé, mais il a parlé plus de UKF, il a parlé plus de dossier de Jovenel Moïse, parce que c'est lui qui, devant Ridoa, Jodia. Et pas oublier, nèg qui rapatrié dossier UKF là, c'est de nèg de tendance la valacienne. Même les sénateurs Evalier Beauplan content, même les pas content, mais c'est en évidence. Souvent même famille la valace encore, cap souvent même la famille la valace. Et m'abdou bien oui, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de problème. Ou bien je n'ai aucun problème avec les personnages ayant signé la correspondance. Et m'dou bien, moins tête moins pas calé. Je suis un serviteur d'Haïti. Qu'on a, une fois dossier UKF la rapatrié, monsieur Saoulé Guy Philippe là, il n'y a pas que la paix d'une en prison, parce que le 27, quand même, il a appelé des non-coupables le 13, le 27, il doit comparaître, encore, il doit comparaître à nouveau, devant le tribunal. Alors, n'a comprenne si considération ça me fait, puisque nous sommes grands timon, dans l'école pour nous, nous prenons machine, nous traversons la rue, nous conduit, nous fait tout à fait nous, pour nous. Dossier sécurité carnaval là, nous estimons que sécurité carnaval là, nous avons de l'eau. Pour qui ça nous dit nous avons de l'eau? Si vous avez les camions juniors, vous avez même l'autre sujet dans le menu, hein? Mais sécurité carnaval qui a fait dans le bout de temps qui a venu là, yo, même le Sebata Camille Junior Edouard, qui t'a ministre encore. Mais si vous avez débat de un sujet aussi important, monde qui peut aller avec question foule à clôt encore, parlant de bamboche populaire ça, et que monde vous venez chita pour discuter de sujet ça, qui est avec sécurité publique, ou choisir ou boudel, là, Canavalier,
Nous avons un problème. Haïti aujourd'hui sur antenne Signal FM 90.5 stéréo www.signalfmhaïti.com. Troisième livraison pour semaine ça, c'est Timothée Jean qui tape fait manœuvre technique yo. Nan mi quoi c'était Tom Dumont. Olapalais.com.